je suis la présidente de l'association Maman Tu es Belle. Pourquoi le nom Maman Tu es Belle? Parce qu'on est toutes belles aux yeux de nos enfants et ça c'est très important à souligner. Et notre objectif de cette association a pour but l'éducation des enfants. Dès le bas âge, c'est-à-dire à partir de 6 ans, on commence à donner des cours de langue, d'anglais, d'espagnol, de français renforcé, de chinois et d'arabe. Parce qu'en fait, on veut que vraiment nos enfants intègrent la société et qu'ils n'ont plus de difficultés de langue et qu'ils puissent aller encore plus loin que nous, on a pu y aller. Voilà, c'est pour ça que cette association a fait son gala le 15 mars pour pouvoir se faire connaître et en même temps essayer de toucher tout public. Ce soir-là, il y avait Ikigai dans le premier temps. Ikigai qui donne des cours tous les samedis matins à nos enfants pour justement découvrir les métiers. Avec l'atelier cuisine, les mamans nous ont pu préparer des plats et des gâteaux. Mais on avait aussi une prestation de personnes qui faisaient, qui nous ont fait la décoration de la salle. Et qu'ils interviennent pour des mariages, nous l'ont fait gracieusement. Et entre autres aussi une maquilleuse pour enfants que les enfants ont beaucoup apprécié. Il y avait aussi une psychologue qui intervient auprès des enfants et des parents en difficulté avec leurs enfants, Myriam Isaïe. J'exerce au centre médical de Floirac. Donc je suis formée en psychopathologie, psychologie et thérapie et en spécialité psychologie de l'enfant. La génération n'est pas d'avant, n'est pas la génération d'aujourd'hui. Donc ce que j'ai voulu faire justement, c'est vous faire un accompagnement vraiment très bref de l'enfance à l'adolescence pour arriver à l'âge adulte. Et il y avait aussi la couturière Shaima qui nous a fait un défilé de mode avec nos enfants. Et ça, c'était quelque chose de très touchant par rapport à justement à notre atelier couture, dont les mamans font la fabrication des vêtements pour leurs enfants. Et le fait de les voir porter, ça nous a vraiment touchés. مانيش مليح مضريت من قلبي تكويت بزاف والدريبه يا ربي جيسكاكو تقعدي فيا تعذبي يا عندي غيتي عوري عندي غيتي. Pour conclure et clôturer la soirée, il y avait Younes, notre chanteur de quartier de Bacalan, très apprécié des mamans et des enfants. حشتك عمري انا بغيت اشوفك صبري وطالت عليا غيبتك اللي بغيتيها ندي لك انا بخاطرك ويا عوري يا عوري توحشتك انا عمري بغيت اشوفك صبري وطالت عليا غيبتك اللي بغيتيها ندي لك انا بخاطرك. Maintenant la soirée c'est terminé. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les horaires de nos ateliers et nos activités. Bienvenue à tous.